aujourd'hui, enfin, si vous voulez rajouter quelque chose. Et en même temps, je trouvais ça très indécent de ma part de lui demander quelque chose dans sa situation. Et voilà, j'avais pas de réponse et je me sentais très mal parce que je me disais, comment c'est possible d'être dans deux situations si différentes dans le même monde? Et à 13h20 aujourd'hui, j'ai eu une réponse de Ziad qui m'a dit, merci beaucoup Audrey de votre message. Vous pourrez lire mes deux poèmes. Voilà, j'ai pas pu demander l'autorisation à Walter Benjamin, à Brecht, à Hannah Arendt. Mais en tout cas, voilà, Ziad m'a dit de vous transmettre ça. Être positif à Gaza l'a dévasté. Être positif à Gaza sous les bombes, c'est avoir un sourire permanent dans une ville assiégée et agressée. C'est ajouter une pierre à l'édifice de vie. C'est être optimiste malgré une situation explosive dans une région abandonnée. Être positif à Gaza, c'est se construire à partir de ruines, des espérances irremplaçables. C'est naître dans une ville pour y rester et dire au monde que résister à Gaza l'effrayé est une victoire, un bonheur submergé dans la dignité. C'est mener un combat, une lutte, une résilience et montrer une vitalité, une vie digne avec force et courage, et un rêve de paix, avec confiance, sans haine. Être positif à Gaza, c'est supporter l'insupportable, bâtir le royaume de l'espoir au milieu de l'enfer. C'est avoir un cœur rempli de joie et de bonheur, malgré la fatigue, les préoccupations, le quotidien infernal et l'injustice. C'est être utile pour les autres, avec une âme noble pour que rejaillisse lumière. Être positif à Gaza, c'est résister. La tête haute dans une ville dévastée. C'est défier l'occupant et ses mesures atroces. C'est informer, témoigner et parler de la brutalité du quotidien infernal, sous occupation qui réagit en toute impunité. C'est une parole d'amour, de foi, en la terre, sa source. Parole capable de conjurer les crimes perpétrés contre elle par l'oppresseur. Être positif à Gaza est honneur et fierté. C'est oublier le malheur et penser à l'avenir avec ténacité. Montrer en temps de peine accrue que le choix de la justice est inaliénable et confirmer que l'odeur de Gaza vaut plus que toute la jouissance. Les Palestiniens de Gaza aiment la vie avec tendresse, espérance et générosité. Deuxième point. Les enfants de Gaza déchiffrent et morts rapides. Enfants oubliés, enfants horrifiés, souffrances sans cesse, douleurs illimitées. La lumière du soleil leur est bloquée et l'oxygène est confisqué dans leur espace. Malheur d'une ampleur inouïe. Vous êtes en train de subir des assauts meurtriers et monstrueux, des attaques incessantes et des manœuvres guerrières sans répit, perpétrées depuis un an avec violence et une férocité sans précédent. Vous êtes la cible fragile d'une armée aveugle. Vos regards limités nous interrogent. Dans vos yeux, nous lisons une colère immense, une tristesse énorme, un cri légitime contre l'injustice qui défie le silence complice. Dans vos yeux, nous lisons une colère immense. Oui, le silence des puissances tue plus que les bombes qu'ils livrent à l'oppresseur. Il est difficile d'emprisonner la mort dans quelques pages ou quelques lignes, alors que les enfants de Gaza sont des chiffres. Terrifiés face au vacarme de la violence, privés de leurs écoles et de leurs loisirs, de nourriture, de bonheur et de compassion. Souvent, ils sont paniqués et traumatisés. Les missiles les rattrapent même dans leurs tentes et leurs centres d'accueil. Et quand ils voient que le monde officiel trahit l'humanité, ils assèchent leurs larmes avec des larmes. Les ennemis de la lumière étranglent leur vie, déjà entre parenthèses. Eux qui vivent des lots d'atrocités depuis leur naissance, ils ne connaissent que le déplacement forcé et l'insécurité dans une région agressée jour et nuit. Tout est tragique dans cette ville martyre. À Gaza, 30 secondes vous séparent de la mort. Et quelquefois, en une fraction de seconde, vous pourrez être enterré sans un linceul. Dans cette ville abandonnée, la nuit disperse les âmes. La peur échoue à franchir les plus petites barrières. L'arbre des rêves roses est allongé sur le sol immobile. Les enfants, au lieu de compter les étoiles, comptent leurs défunts. Et au lieu de respirer la mer bleue de la ville, ils inhalent les décombres des rues détruites. L'espoir devient luxe pour ces anges. L'avenir sombre, la vie une courte durée. Et les souvenirs tombent devant la porte toujours ouverte de la tente abîmée. Une question innocente. Qu'est-ce que ces enfants de Gaza vont manger aujourd'hui? Légumes introuvables, où les bombes sont en abondance.
Le bar est ouvert. Merci, Valérie. Merci.